Nous avons perdu un pile monde le 12 janvier 2010, un pile cas a été tombé, vraiment, et 8 années après, jusqu'à présent, parce que ce n'est pas une disparition en pile proche nous. Est-ce que nous devons faire le deuil 8 années après? Est-ce que psychologiquement, nous pouvons équilibrer pour nous continuer à avancer et faire face carré à tout défi que le 12 janvier 2010 est la cause? C'est quelques parmi les questions que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission Mise au point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Invitez-nous, psychologue Willio Francillon. Qui a accepté de répondre à une question nous matin, Monsieur Francillon, son plaisir pour nous recevoir sur TNH. Merci Seigneur, et son plaisir pour nous toujours là avec nous dans la et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices, émission ça, qui est très écoutée. Et c'est toujours un plaisir pour moi là, vous pensez que je suis très utile par rapport avec le débat que nous allons faire, par rapport avec le 12 janvier qui était passé, et ça qui était la carrière comme séquelle. Et faut que nous vivions, faut que nous continuions à vivre. C'est ça qui est important, c'est un plaisir avec, pour moi avec nous là encore une fois. Chaque fois, 12 janvier arrivé, ça a ça. Bon, moi-même, je veux dire un bail pour moi, je veux dire un bail pour toute population. Tout. Parce que imaginons que chaque année nous fêtons 12 janvier. Mais 8 ans après 12 janvier, je vous dis, à qui ça nous a dit que, par exemple, chaque semaine 12 janvier va arriver, chaque monde a une réflexion, une forme de méditation qui fait là par rapport à la caillou. Par rapport à qui ça, parce que la semaine 12 janvier, il y a une forme de méditation, je me dis ça, c'est jour ça, maman connaît que la semaine ça va faire 8 ans de me perdre petite moins. Ça va faire 8 ans de me perdre madame moins. De me perdre caille moins. Ça va faire 8 ans depuis que j'ai moins coupé en bas des comptes, bras me coupé en bas des comptes. Ça va faire 8 ans depuis ménage moins ou bien semaine disparaître, même quand il n'y a pas de douleur. Pendant ce temps, les gens qui disparaissent ont mis la caille. Jusqu'à présent, les gens qui perdent ne peuvent pas me voir. Elle dit dans tête de ça, ils ont un point d'interrogation par rapport à ce que les gens mourent vraiment tout le monde. Parce qu'on est à l'époque, il y a des militaires américains, américain, gens qui ont pris le monde pour les gens, ensemble des bagailles comme ça. Mais les gens ont une illusion dans la tête que les gens ne peuvent peut-être pas mourir vraiment. Ça veut dire que 12 janvier, c'est tout ça qui a mené derrière lui aujourd'hui. Comme psychologue, 12 janvier 2010, qui ça généralement qui est plus venu joindre nous, qui j'en nous t'a porté accompagnement nous par rapport avec les gens qui étaient victimes? Bon, c'est ça. Premièrement, c'est ça le stress et traumatisme. Les gens ont un stress aigu, les gens ont des sous-choc par rapport à la question. Intensité événement. Parce que, imaginez le 12 janvier 2010, à 8h du matin, 9h du matin, on ne va jamais dans ça, dans l'imaginaire, dans la représentation mentale, que 8h du soir, 9h du soir, c'est nos carrefours pour aller dormir en plein air. C'est pas un carrefour. Ça veut dire que, si tout dans la génération, pas nous, ça fait des générations que nous ne pouvons jamais vivre un événement comme ça. Et que, non seulement tout nous n'avons pas d'éducation, pas fait tout au niveau ça, par rapport avec séisme, comment gérer séisme, ensemble du bail. Et tout le monde a parlé de ça, mais pas en profondeur. C'est ça qui fait niveau choc, ça, qui nous a fait ensemble de pète en vie humaine, ça, tout. Environ, qui parlait de 250 à 300 000 personnes. Ça veut dire parce que nous n'avons pas d'éducation, comment pour construire, comment pour comporter dans les grands séismes. Ça veut dire tout ça, c'est une prendre un travail là qui fait que, on plaît aussi. De grande envergure. Constat que nous faisons comme psychologue. Constat que nous faisons comme psychologue, c'est que nous avons que le bon côté et le mauvais côté en tant que psychologue. Oui, c'est nous recevons pile de monde qui frappait qui, par événement, qui était presque même perdu tête. Qui était ouais que et la vie finie. Et bien, on a qui perdit 5 mois dans la famille, qui sont pas le monde ça pour remplacer. Ok, on accompagnement psychologique. On soutient qu'il y a intérêt pour continuer à vivre. Il y a intérêt pour lui, où est la vie de l'autre gens. Parce qu'avant 12 janvier, dans la mentalité haïtienne, il était ouais la vie, typiquement de question aspect matériel, là, c'est bon. Il y a une belle machine, une belle caille, et puis là, fonctionner. Mais, dans 53 secondes, tout le monde disparaît, ça a demandé, il y a la vie, j'en ai. Il a dit que ça me passé de la vie à ça. Parce que des barrières que je me suis fait pendant 25 ans construit, je perds dans moins d'une minute. Ouais. Ça veut dire 25 secondes. Hein? 25 secondes, voilà. Ça veut dire que l'immandé réfléchit. Ça veut dire que tout le monde tout est affecté mentalement. Et ça fait parler de. Après le janvier, il vient augmenter de 20 000 personnes qui sont affectées mentalement, sous ça que tu es là déjà. Sans régler la quantité de monde qui vient plus handicapé,
le handicap a monté tout. Ça veut dire que tout ça c'est à cause des 12 janvier. Non, vous dites que vous avez affecté mentalement. Ça veut dire que ça. Et vous dites que vous avez affecté mentalement. Par exemple, on va passer comme ça, il y a des bagages. Il y a des gens qui arrivent à faire résilience là, pour continuer. Ça veut dire que vous êtes affecté, mais vous bataillez, vous bataillez, vous bataillez. Vous acceptez deux. Vous faites deux là, vous acceptez ça passe là. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à faire. Il y a des gens qui ne pas arriver à faire parce que des gens finalement tout tourné, ils ont malade mental. C'est un monde qui perd un peu le monde de la famille. Peut-être prendre un temps pour déconstruire un cas et puis en quelques secondes, bah, là, aller. Et nous comptons ça, ça veut dire surtout pour l'élément de la classe moyenne, faire cas en Haïti. Alors là, et, qui qualité d'accompagnement, l'on cas qu'on s'attend à nous comme psychologue, nous te baille, pour te permettre que le monde ça au moins, ouais, la vie pas finie, il y a un moyen pour continuer à batailler toujours dans la vie. Ça. Exactement, et ça veut dire, c'est que au monde qui peut faire toute tête ça, yo, vie humaine ou bien matérielle, pas qu'on ne peut pas le monde ça pour remplacer ça le perdu. Mais autre que ou supporter l'appui psychologique, c'est faire accepter que ça perdu ou perdu net, mais il faut le continuer à vivre. Et pour le continuer à vivre, il faut peut-être les sous-épaules. Li. Parce que tout ça le perdu, surtout les questions matérielles, ou qu'à faire comprendre qu'il va reconstruire encore. Ou bien si le perdu, ou pas accepter au perdu, mais il ne faut pas oublier vrai. Il ne faut pas avoir, mais il ne faut pas oublier vrai, mais il faut aider. Arriver dans le rêve ou t'es visé. Mais en fait, son pays tout, généralement, mieux pas consulter psychologue facile. Est-ce que là, après 12 janvier, tu as remarqué que la tendance à tes grandes vies changer, ou tu as plus envie à jouer un psychologue pour parler avec lui, pour expliquer le cas? Oui, parce que et 12 janvier a fait un bagage au niveau santé mentale, parce que mon vin peut se comprendre ça comme psychologue. Parce qu'avant, tu étais psychologue là, dans le sens que son divinor. On m'a appelé dans le passé, mon bagage comme ça. Et après 12 janvier, par rapport avec support au niveau soins et accompagnement et psychologie poté, si tout le monde est grand pilote injecté là, tout qui était puis insister faut que prenne psychologue bah, comme ça, parce que comme ça le fait dans notre pays yo. Et moun yo vinn comprendre plus bien qui rôle on psychologue qui vrai rôle li, qui ça l'utile vraiment dans la société là. Et ça veut dire que niveau psychologique a monté tout. Par plusieurs raisons parce que là on vient comme ça fin passer population psychologiquement li. Le niveau a monté parce qu'il vient puis sous choc, il sous pression. Ou même en tant que psychologue, il faut qu'on gens pour aborder moun ça. Et puis moun nan tout, il vient comprendre que ça dépendait des psychologues avant, son stigmatisation de voir le psychologue qui est fou. Et il dit non mais son moun aussi posé ouais. Parce que pour j'aime moi l'idée, ça veut dire que c'est un peu de ça. Et ça te vient déboucher son plaquette l'autre bagarre après. C'est après ouais que même ministère et santé publique il devient une crise, il espère une unité de santé mentale au sein du ministère de la Santé publique. Ça veut dire qu'il win moins que faut que Gombagay qui là en permanence pour accompagner Mounio après évidemment ça se passe là. Qui ça président charge là t'es? Président charge là c'est ça qui s'allie c'est faire des séances à Mounio, faire passer un passe là. Ça veut dire que période de résilience parce que là on évidemment fait passer comme ça et Mounio a jusqu'à 6 mois pour faire tout comportement anormal. Pour ne pas dormir, pour ne pas manger, pour ne pas concentrer pour faire rien. C'est tout à fait normal. Après 6 mois, c'est ça que les résidents. Mais après 6 mois, si vous ne continuez à faire même bagage là, même gens, sont l'autre bagage. Si vous avez tombé dans un tableau pathologique, soit vous avez un stress traumatique, post-traumatique, qui est très grave, ou bien soit vous avez un autre problème mental qui est développé quand vous avez après 6 mois. Et ça fait 8 ans après, nous pas parler de résilience encore. On peut parler de malade mental ou bien des gens qui étaient frappés par l'événement. C'est ça. Et je veux dire, ouais, que une grande population qui est très. Qui vient pisser tout bas, on dit ça. Parce qu'il vient créer à la fois une passivité et intolérance tout, quand même. Et puis, quoi, le son nous-mêmes de tirer comme psychologue après une fin rencontrer les gens qui étaient victimes, après une fin regarder ce qui est passé le 12 janvier 2010. Bon, c'est le leçon de tirer que nous fiers. Nous fiers dans le sens que c'était une occasion pour nous te montrer notre vrai rôle, nous vraiment. On connaît santé mentale de toujours traiter ça à part un pauvre en Haïti. Même au niveau du ministère, là, ouais, que avant 12 janvier, pas trop. Il parlait de lui, mais il pas de j'aime trop. Bah, mis à part de chaque 10 octobre, ouais, il fait un bagage comme ça. Et puis, quand il est psychologue, tout cas, fini chaque année dans la faculté. Et quand il est monde qui va faire spécialisation en psychiatrie, actuellement, il y a plus de monde qui est intéressé à la psychiatrie après 12 janvier. Tout a augmenté. Laissons-nous dire que nous sentons que
c'est une belle occasion pour nous sentir que nous sommes utiles à la société, utiles à payer nous. Et que ce n'est pas facile vraiment. Mm-hmm. Parce que nous sommes vraiment compliqué. Ou même nous sommes déjà dans une situation face à le dépassement des soirs. Ou même tout affecté. Nous sommes dans l'événement. Mais je ne suis pas victime physiquement, je ne suis pas proche, etc. Mais moi, des amis, qui étaient pour la guerre. Même nous sommes obligés de faire dépassement des soirs pour nous mettre chaque jour. Je songe à l'époque ça. Et c'était dans la faculté de technologie. Bon, champ de massage, j'étais quand t'es champ de massage chaque jour. Mais le terme était utilement tout non sens par rapport avec les santé qui te permettent moi d'empêcher d'affecter tout par événement. Mm-hmm. C'est toujours au travers l'activité m'a fait, m'a payé des mondes sentiments utiles. Parce que si je ne mourir moi là, m'a fait tout et m'a payé tout le monde ça, c'est que je me sentais vraiment ça m'a fait après l'idée, tout le monde c'était après, il y a mon qui vient témoigner bah ou venir remercier des choses comme ça. Dans le moment, ça n'a pas de l'argent intéressé. C'était rendre service à la société, ça t'est le monde vient vivre un événement comme ça. Ça affecte la santé mentale à quel niveau? Bon, il varie. C'est-à-dire que le niveau d'affectation n'est pas même si nous vivons même événement. Mais il y a des gens après 12 janvier qui ne viennent pas même monde encore. Soit il ne pas la vie de pour lui. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend de la vie, pas ça. Okay? Mais il y a des gens tout. Parce que tout de suite après 12 janvier, il y a trois catégories de monde en Haïti. Il y a des gens qui développent ça, hypervigilance. Si je ne passe pas encore, je fais tout ça pour moi pour sauver. Je me dis que tout le monde monter en deux béton. Il peut passer bon pour bon ou mieux la rue. Il doit veiller que n'a pas le bal à repasser tout de suite. Et puis il y a des gens qui viennent revivre sens. Qui toujours senti que combien de mois après que tu as toujours tremblé. Tu as toujours tremblé. Et bon la catégorie de gens qui viennent avec le bon isolement. Isolement, ça veut dire que les gens refont repli sur soi net, ils ne pinent pas. Intégré socialement encore dans la société. Il y a trois catégories de monde. Parce que je veux dire, des gens qui vivent un événement traumatisant, comme ça, ou pas besoin de même monde encore. Il faut faire équilibre, mais pas besoin de même monde encore. C'est je veux dire, ouais, ou une société, j'en veux là, je veux dire. Peut-être qu'il y a complété avec un niveau, j'aime se dire, intolérance, un événement très, très fragile. Mais ce n'est pas seul événement difficile qu'Haïti connaît. Et nous avons appelé l'événement politique tout. Nous sommes en 90, après 86, et puis près nous 2004. Mais au fait, ou quoi que 12 janvier, pas de bien pareil par rapport à ça, le quitter comme conséquence? Au contraire, ce que je suis capable de dire dans ce sens, c'est que c'est une bagarre qui fait que 12 janvier n'a pas fait même impact là sur nous tout, jusqu'à 8 ans après. Pas oublier que après 12 janvier 2010, nous devons nous faire un paquet d'événements socio-économiques, socio-politiques. Tout ça, nous devons contribuer à baisser l'impact de janvier à la caille. Parce que la mentalité, ou bien le mental, a une autre préoccupation. Okay? Parce que les événements politiques que nous connaissons, et tout ça après 12 janvier, on est tombé dans la question du président Matéli. On est tout dans la question de la période électorale, tout est une activité et la question socio-politique. Tout ça, nous devons contribuer à la question de baisser l'impact. Impact et 12 janvier à la CAENO. Et jusqu'à présent, ouais, que nous toujours à vivre des événements sociopolitiques ou bien socio-économiques et tout ça, il y a baissé température ou bien fréquence et affectation à la CAENO. Ça arrive, gars, ici, par exemple, psychologue, malgré que tu es victime 12 janvier, ça n'a pas t'a doué un élément qui attire l'attention à nous ou bien qui ça nous quoi, nous ça t'a doué faire jeudi à tout l'année après? Bon, il est allé après, ça pouvait être fait déjà. Si c'est un trouble de comportement, il y a déjà 8 ans après. Ça veut dire que si c'est un changement d'attitude, il y a déjà. Parce que haïtien, les gens te disent que les pas gagné dans qu'il tue ou la grande psychologue, les gens comme ça. Si ça, on va le parler, comme ça. Ou même les gens, ça compense, etc. On va le penser. Mais journée jour à tout, il y a un pile d'efforts qui fait tout au niveau. C'est ça après 12 janvier, parce que nous venons avec une pile d'institutions qui commencent à prendre ça des psychologues. Surtout dans l'école. Dans l'école, il y a beaucoup de psychologues. Et il y a une institution qui doit penser que va préférer un monde à un psychologue par rapport à ça, qui est très important. Peut-être, pas capable de dire son bon côté dès le 12 janvier, mais quand même, c'est ça qui vient permettre de comprendre mieux la question aspect santé mentale. Là, et en Haïti, que nous-mêmes, comme psychologues, nous pouvons satisfaire. Mais 8 ans après, 12 janvier 2010, 12 janvier 2018, déjà 8 ans,
Je dis à quoi, et nous plus ou moins en forme, nous regardons la réalité, nous réflexes, nous comme psychologues. Ça, c'est que santé mentale haïtien est correct, je dis à 8 années après. Non. Oui et non. Pour qui ça? Parce que oui et non. 8 années après, et question santé mentale, c'est plus loin toujours. Plus loin dans le sens que, et même au niveau ministère de la Santé publique, je te dis la dernière fois, non, conférence t'a fait. Budget santé publique, il y a accordé seulement 1% dans la santé mentale. Et une grande population, je vous dis là, chaque jour, a fait face à des événements qui très 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 traumatisant, très traumatisant dans le sens que faut que t'agon structure qui beaucoup plus large, beaucoup plus élargie, qui prend moun sa yo, qui accompagne moun sa yo. Comme si il est toujours traité jusqu'à présent par un pauvre. Malgré le vin plus populaire, plus le monde puisse connaître sa crise santé mentale, psychologue. Mais au fond, pas de structure vraiment qui bien qu'il a, qui pour prendre une grande majorité vraiment qu'il a. Et deuxièmement, niveau santé mentale ici encore, et là jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que, ou vingou haïtien qui guide les émotions perdues la caille. Chale, ça? Émotion. Bon, c'est ça? Oui, bon, c'est ça. Émotion qui est émotion, par exemple. Par rapport avec ou une gouaïsse qui vient moins s'apprécier des choses. Parce que, qui ça nous besoin, je ne vous dis, c'est accompagnement, c'est son bagage qui doit supposer macro pour aider, faire ça, accompagnement psychosocial là. Je me rappelle, après 12 janvier, nous avons eu des activités macro, qui pas macro, nous avons par exemple, le gouvernement la caillou. C'est un bagage qui t'aide des gens. Mais, qui t'aide des gens pour qu'ils savent, leur aller, un centre de satisfaction qui répond à un centre de besoin. Mais, c'est surtout une chance de passer dans la carrière. Si pas de passer dans la commune, il n'y a pas de besoin. Mais, je veux dire, ouais, que y a une vision qui est beaucoup plus large. Ma, par exemple, et, on prend un exemple, et caravane de changement. Oui, c'est bien. Son bagage comme nous, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que la vie va changer. Besoin ou bah, l'espoir. Exactement. C'est ça le besoin. Oui, ça, 8 ans après, ça passe à passer déjà, mais je constate que fois ça, la vie va changer tout le monde. Vous comprenez? C'est ça qui est l'hypothèse comme bagage. Pour moi-même, que moi-même malade, qui est très intelligent. Dans le sens que l'Iba a un espoir. Mais par rapport, pas oublier tout. Je me suis dit, c'est Thomas. Oui, au quoi? Mais il y a suivi toujours. Il y a suivi toujours. Parce que c'est 12 janvier qui fait nous vivre plus Saint Thomas comme ça? Nous sommes déjà comme ça, nous vivons plus comme ça. Parce que imaginez le 12 janvier, vous êtes que vous avez acheté combien de milliards, nous pas changer. Vous même parlé de refonder Haïti. Refonder Haïti. Mais nous n'avons pas gagné, en fait. Nous toujours pas amené carré là. On machine même toujours pas amené carré placé. Ça veut dire que vous avez une inquiétude qui est tellement élevée là. Vous comprenez? Mais vous avez besoin de bagages qui macro, qui pour sentir que vous voyez ça tout bon, vous avez qui va le faire, vous avez qui va changer. Est-ce que vous pensez à Haïti finalement fait de là? Par exemple, qui t'a perdu famille, qui t'a perdu proche, tout le monde qui va mourir encore, qui t'a rencontré au 12 janvier, et puis bon, après ça, après 4 ou 50 ans, par exemple, nouvelle, yo. Après, nous, après 8 ans, après, nous faisons de là. Nous faisons. La majorité, nous faisons. Mais ça, ceci n'empêche pas pour autant que, j'aime ce dire là, on a toujours son monde. Ça va veut dire qu'on pas oublier monde là. Mais on va accepter que monde ne parle pas encore. Avec un pilote de malheureusement, que moun sa pa la encore. Mais, ou pas j'aime oublier moun. De la vie fait, chaque moun gon niveau lié la kaye moun. Il y a des moun chaque 12 janvier, il crie pour petit lia. Petit garçon qui te moun. Non, on moun gosson quoi le fait de là. On moun qui crie chaque fois 12 janvier arrivé, puis il a crié. Il passe un mauvais jour. Non, mais c'est date la crie qui frappe. Mais il pas fait toute l'année encore crier, même bien. Il pas fait toute l'année triste, même bien. Moun kon dame, chaque fois le rencontre 11 amis, petit lia que le déperdu. Et dans une ex-ministre de planification sur Chan Massa, il parlait de l'étigation. Et même envie de crier. On ne sait pas quoi il fait de là. Non, on ne sait pas qu'il fait de là. Mais malheureusement, peut-être que c'est un monde qui est spécialiste, un psychologue. Mais c'est ça le problème. Non. C'est que les gens ne pas qu'on est côté pour aller, qui est pour aider. Parce que les Haïtiens qui parlent, ah, ma guéri. Ma gagne. Dans une fois tout, peut-être dans la période, ça, l'église débat un bon bourrade. Ou pas quoi tout, c'est ça t'a aidé ou bien ça a aidé pour te permettre que Mounio sorti dans la situation de tristesse que tu es après le 12 janvier? Non,
où, dans l'époque, ça, l'église joue un gros rôle. Mm-hmm. Imaginez, c'est l'église qui fait majorité des questions appui psychosocial là. C'est l'église qui te fait. Oubliez, dans l'époque, ça devient une solidarité entre les haïtiens. Parce que tout le monde, moi, je m'en vais là, je prends la main, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. C'était que le même gens, il était plus long. Mais l'église à l'époque, ça, ouais, mon était tout, très spirituel. Tout le monde, c'est Jésus. Si toutes les répliques qu'il a faites, ouais, tout le monde, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Ouais, et même au niveau de Chant de Masse, je me souviens, rappelé dans l'époque, ça, tout. Il était près de 3 jours, carnaval, 3 jours, graillot, pour te faire question de manifestation culturelle et religieuse. C'est que, ouais, mon était vraiment focus sur la question de l'église. Et l'église a vraiment été un gros, gros rôle à l'époque et dans ça, et la prière en groupe, et manifester en groupe. Et là, c'est ton exutoire tout pour Mounio. Oui, c'est ça. Mais c'est ton émotion tout. Okay. Mm. C'est ton émotion. Et comme si c'était le dernier recours qu'il y a. Okay. Et aller vers l'église. Pas de gagner, parce que dans l'époque, ça n'y a pas de gagner. On n'est pas capable de dire trois pouvoirs. Et pouvoir législatif, judiciaire, et exécutif. Parce que tout ça a été. On a vu nous qu'on n'y a pas qui sort encore. C'est l'église. Mais même mon gars, son émotion, son réflexe. Après mon homme de temps, là, il a commencé à aller. Il a gagné. Ça a été très émotionnel, très sentimental, tout. On aime son peuple qui est très sentimental. C'est ça qui était manifesté. Parce que constat, on a fait que c'est ton Haïti, tout le monde a pensé à l'autre. Ton Haïti, oui. Une dame pour l'autre, une dame sous l'autre. Finalement, Haïti nous a besoin, nous avons signé. C'est ça qui dit. Fait, effectivement. Mais malheureusement, c'est pas dur vraiment. Parce que nous sommes peuple comme ça. Nous tous, tous avons un réflexe entre nous. Dans le mal. Dans le mal, voilà. Haïtien, tout le monde met ensemble les bails ou mal. Les bails, si on va le craser, briser, nous allons faire un bail qui mal, on va tout haïtien. Mais si on ne passait pas le mal pour atteindre ça besoin, si on finit ça besoin, même nous, même encore, on va faire une divergence. Ça crée ça, c'est un trouble comportemental. Ou ça allait plus loin, ça allait dans l'histoire, nous fait. Histoire, nous par rapport avec. Et tout ça nous vive depuis l'indépendance d'Haïti, ou bien même avant l'indépendance d'Haïti. Parce que, pas oublier, nous-mêmes tous qui étaient esclaves avant, nous chaque sommes dans une tribu différente, en Afrique. Et nous sommes tous dans le même pays, en Afrique, l'ennemi, chaque monde, même si nous tous sommes noirs, mais nous chaque bien, bah, pas nous. Mais comme nous sommes dans la même situation, c'est le même, nous sommes obligés de mettre tête noire ensemble pour être dans sa nier. Nous mettons. Et bien, c'est le même réflexe, jusqu'à présent. Après la guerre de l'indépendance, le 8 janvier 1804, ouais, divergence. C'est même bagage, oui. Après, répéter. Je veux dire, à 8 ans après, même comme psychologue, est-ce qu'il y a des études qui menaient, tu as dit, mentalement, comment se porte l'haïtien aujourd'hui, 8 ans après? Bon, malheureusement, formellement, il n'y a pas d'enquête et recherche qui fait. Peut-être dans l'observation, même comme psychologue. Bon, non, observation, c'est que chaque année, on est capable de dire une modification, un bagage qui paraît. Tout de suite après 12 janvier, ou après un an et 2 ans après, mon j'ai un discours. Même depuis le 12 janvier, même pas rien. C'est-à-dire que j'ai une résignation. Si le 12 janvier passé, je mourir, je pas rien. Après quelques années encore, après que mon j'ai envie de reconstruire ça. Comme si j'ai envie de plus investir dans l'activité. L'activité sociale et éducative, dans l'ensemble des bagages comme ça. Mais je ne veux dire pas que un haïtien qui. Mais qui doit être déçu tout. C'est pas faute. Chaque fois que vous pensez que vous allez dans telle route, et bien au coup de route, vous voyez que c'est l'autre bagaille. C'est son peuple qui est toujours à réadapter à chaque fois. Et ça vient de balancer le comportement. Tout. Et, c'est comportement là, et ça vient de pas investir totalement dans l'événement, leur activité. Les bagailles, mais pas investir totalement. Parce qu'il connaît que le papa le dire, c'est ça que peut-être. Parce que c'est ça le vivre. Et ça fait l'homme même de gagner un mot sur cassé. Ou après, je ne veux dire, applaudis. N'importe quel événement. Après, c'est au coup de auditoire l'applaudit. Quelqu'un nous a bagaille. Mais ou après, notre côté, ou après, mon terme, après, il y a campé pour dire, mais ça nous perdit, parce qu'il perdit. Si on dit, on va battre depuis fort. Ouais. Son bail qui est conscient de la caïtienne, mais son impact psychologique lié. Parce qu'ils sont au fond de lui-même, c'est un désintéressement. Même s'il a participé, oui. Mm-hmm. Mais il n'a pas participé à tout lui-même, oui, 100%. Parce qu'on est, ça qu'a fait la somme qui est éphémère. C'est ça lui-même qui, depuis des décennies, l'a cultivé. Non, mais qui sont quoi qui change dans la vie, Mounio? Ça qui change dans la vie, Mounio, bon, parce qu'on peut parler de changement dans la vie, Mounio.
C'est que Mounio accepté pour continuer à vivre. Bon, bon socialement, quand même, parce que l'acceptation fait que nous avons une raison pour continuer à vivre. Nous avons une raison pour continuer la bataille jusqu'à présent. Nous avons une raison pour continuer à suivre l'objectif que nous avons gagné dans la vie. Même si nous avons révisé le 12 janvier. Parce que nous avons une raison. Nous jusqu'à présent qui sont capables de nous remettre tête au campé. Non, nous avons pas qu'à jusqu'à présent. C'est que nous avons décapitalisé en pile monde. Parce que je me rappelle, je me dis qu'on. Un monde là, tout près dans. Bon, presque dans un stade là. Qui perdit 19 monde dans la famille. Donc on est dans un corridor, comme ça. Mais ça permet de se sauver lui-même. Il a acheté une glace pour le séconde. La tournée, ouais, le corridor a tout fait en français comme ça. Mais un monde, je vous dis là. Est-ce qu'après, ouais, monsieur, par exemple, normal. C'est. On est à l'époque, tu es combattu avec le feuilleton. C'est pas une raison qui fait copie. Côté gain courant, tout le monde a massé, a regardé, a fait. C'est un pile monde qui cause un pile monde et disparaît dans la question. Mais je ne veux pas regarder, mais c'est pas même monde, pas du tout. Est-ce qu'il a changé? Bon, il vit, il fonctionne, mais il n'est pas fonctionnel à 100%. Il n'est pas un monde comme si il était capable de faire tout mental, mais comportement motivé. Complètement. C'est une base qui est capable de dire, ouais, nous-mêmes au niveau, nous rappelons que récemment, nous dépensons ça, nous lançons une question de laboratoire de santé mentale. Nous sommes venus là, tout ça, dans le cadre de lancement. C'est tout ça qui était poussé nous à faire l'observation. De octobre à date, qui m'a fait mon confidence, qui s'applique aux clientèles dans le laboratoire de santé mentale? Ce sont des policiers. Bizarrement, c'est complètement. Des sacs vini sous choc, à tout choc, bah, comme ça, etc. Mais, et ça montre que même dans le niveau ça, tout, je ne sais pas si c'est 12 janvier là-dedans, tout, vient de l'autre événement. Parce que, on est question police, son bail, son job qui est un peu stress. Parce qu'on est ça, la société a fait face chaque jour. Vient de ça, tu as déjà dit, c'est que là, vient mettre après ça, vient. Parce que, au pour police, c'est pas un extraterrestre, tout le monde, même avec nous, dans la société avec nous, il y a madame qui est petite, qui est tout pareil. Mais, heureusement, Yo connaît un combat qui fait yo vini. Nous c'est en pile. Parfait. Qui a expliqué ça? Bon, c'est ça. C'est bon. On a passé travailler sur un document pour nous comme si ensemble de caillou, n'a pas comme ça le motif de consultation. Qui ça vini? Parce que les mon vini cap psychologue, le problème n'est le gonjan wel, le gonjan expliquer. Dit mais ça m'gain. Parfait. Qui plus couche, qui plus strange d'âge comme psychologue peut être plus victime psychologiquement après 12 janvier. Tout. Même petit monde et petit monde à bas âge, je suis capable de dire, même un petit monde qui est 3-4 ans, tu es victime. Même si tu es un petit monde qui commence à parler, après 2 janvier, il ne va pas parler encore. C'est fort, on est travaillé avec lui, on recommence. Tout âge, jeune et enfant, adulte, adolescent et vieux, tout le monde est victime. Qu'est-ce que tu as du mal pour te vivre ça qui passe, monsieur ou bien mesdames? Non, tout le monde. Parce que je me rappelle, même mon pasteur qui était en l'église, à toute en l'école, dans Delma, là, en l'école infirmière. L'événement passé, l'école a tombé, tout. Madame mourit, petite mourit, tout pile étudiant. Pasteur, ça lui-même, son gestion, il est venu avec une valise dans la main. Il tombe marché dans toute la rue, par contre, il parle. Avec un service qui est un monsieur qui n'a pas qu'à respect, pas qu'à dire pasteur. Il est fatigué, il n'est pas capable. Il passe avec énergie, il est fatigué. Là, il est venu nous en bas dans la solution de masse. Et là, nous essayons de calmer, nous essayons de parler comme ça. Mais valise qui est dans la main, qui s'en dit, il plaît l'argent. Mais comme si l'argent n'avait pas de dire grand chose à l'époque. Parce que, où tu as l'argent à l'époque, on n'a pas de bagage pour acheter. Mais le passé, qui a dit que c'était notre passé, c'était le suicide. C'est que l'église n'a pas accepté tout. Parce que les suicides sont achetés. Mais lorsqu'on dépression, il est toujours débouché sur le suicide. Si la situation, ça m'a vécu là, le samedi là, et c'est le lendemain pour retirer ma dette. Bon, malheureusement, l'université a gagné des études que le pas fait. Pour t'aider après 12 janvier, est-ce que quand c'était mon qui tue, était-tu augmenté? Quand c'était mon qui fouille, est-ce que augmenté? Quand c'était mon qui dépressif, est-ce que augmenté? Par contre, est-ce que vous-même, par rapport avec l'organisation, l'observation, ou est-ce qu'on a tendance vers la hausse pour quand c'est mon qui fou, quand c'est mon qui dépressif? Et après 12 janvier 2010. Oui, quand il y a des gens qui, mentalement, qui, j'aime te dire, qu'il y a 20 000 cas en plus, de ça qu'il y a déjà, et à travers tout le pays.
et vous voyez que le niveau handicap a augmenté tout. C'est clair. Mais heureusement, le niveau suicide a augmenté. Parce que nous-mêmes, dans la culture, nous, c'est le dernier bas haïtien fait. C'est suicide. Plutôt nous, les nous là, ça nous dit. Eh bien, exactement. Ça dit qu'il y a des croyances qui sont nous là. Et puis tout le temps, pas mourir, il faut mettre le chapeau. Chaque monde qui a un chapeau, c'est des gens qui ont fait ça. Même si sous là, il faut travailler pour belle. Exactement. Si c'est vous me rappelez que récemment, le président de la République, sous l'aide, nous pas là. C'est clair. Elle dit, vous ne pas productif dans la société. Qui est relou. Mais c'est des gens qui ont ça, qui sont haïtiens. Ou après, nous sommes capables de rester. Il y a des cas de suicide par année. Parce que c'est genre de discussion qui est bien. Mais heureusement, le niveau de suicide n'a pas monté, mais le niveau de stress a monté, la dépression a monté. Parce que la société a pris un engrenage. Et ça, ça a porté, là, ça a augmenté comme ça. Ça a porté dans la vie de Mounio, parce que les gens qui ont décidé dans le pays, les gens qui ont un caillot, qui ont un papa petit, maman petit. Dans quel sens nous croyons ça a dérangé, n'est-ce pas vrai, train de vie, nous, fonctionnement normal, pays de manière générale, et docteur Francis. Oui, parce que ça vient. Créer une passivité tout le temps. On qui est dans un état dépressif, qui ça dit? Ils ont désintéressement dans la vie quotidienne. Tout le bagage vient parler, même bagage. Comme si l'oasis va venir dire pour lui. Même leur pantin sous cabane, pour qu'on ait un travail là, ou pas, ou même qui parle de descendre cabane, pour aller douche, pour aller préparer, pour prendre machine. Comme si tout le bagage sont poilés pour. Et pour tout ce sentiment de fatigue. Généralisé. Et pas travailler comme ça, non, on toujours senti qu'on crase, fatigué, ou même pas productif. Imagine la quantité de monde qui est dans la société comme ça. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans le groupe. Qui ont des pressions, mais ils ne sont pas difficiles. C'est vraiment sous proche de monde, ça, car ouais, que certains ne comprennent pas, un tel ne comprennent pas, le chef là, non. Mais son dépression qui a crasé. Parce que lui-même, il y a un problème personnel, il y a un problème. Peut-être professionnel, personnel, familial. Et chaque monde qui sont stress là, il y a tout le monde, mais il y a un niveau. Mais pas là, même peut-être qu'il n'a pas arrivé, surmonter. C'est ça. Mais malheureusement, il y a pile de monde qui consomme, qui pas cherché ou est spécialiste dans le domaine, par raison que son faiblesse. C'est ça, son faiblesse. Leur consage, j'aime tout là, qui n'est pas productif du tout. On a pas grand pour faire là où fait là où marre de faire. Donc c'est un laxisme. Voilà, ça veut dire c'est ça. Mais des fois, les conditions sociales là tout. Il n'y a pas tout de faire des fausses, c'est vous qui perdu bras, perdu pied, perdu un membre en fait. Là, vous avez vivre avec tout le monde, maintenant vous oubliez perdu une là-dedans, vous êtes sur le TNH le 12 janvier 2010. Après le tremblement de terre, là, je suis passé sur la zone, je suis demandé l'autre, mon aide, je suis sorti, même si je retire, puis ça m'a dérangé, l'idée assez sorti. Comment toi, accompagnement psychologique à terre pour te faire accepter le dia, ou continuer à vivre malgré perdre un monde, ou continuer à battre avec la vie, malgré pas gagner tout le monde, docteur Francis? Oui, eh bien, il varie, c'est une personnalité à personnage. Là, parce que les gens, et nous essayons de travailler avec eux, pas de problème, c'est la vie, les besoins. Même si pas de pied, c'est la vie, les besoins. Mais il y a des gens au départ qui n'ont pas accepté. Mais non, pas faute de travail avec nous, faire accepter que bras pas là encore, maintenant pas là encore. Mais au contraire, heureusement, il y a un pile de bagages qui sont intégration personnelle handicapée, on va toujours intégrer. Ça veut dire que vous n'avez pas de membre, ou société à tout mettre en côté. Au contraire, chaque politique a fait, et j'en débat ça pour intégrer chaque groupe plus. Qui finit pas d'accord. Mais il y a des gens tout, passez pour le vivre, son jambe est plutôt mourir. Modicus. Tout parle avec lui, non. Ça arrive, nous. Ça nous. Il y a des cas comme ça. Mais malheureusement, il ne peut pas mourir. Avec le temps, il finit pas habitué. Okay. Il finit par accepter. Mais ce n'est pas comme s'il n'est pas. Il accepte vivre comme ça. Mais au fond de lui-même, c'est pas. Il n'est pas même genre vrai. Mais heureusement, il continue à vivre. 8 années après, il y a un monde qui fait deux. Qui sont à suggérer? Il faut accepter que le père du famille, il faut accepter que la qualité fratiale, le père du vrai, il faut accepter que la ville change. 8 années après, c'est. Ça, dit mon ça. Ça, t'a dit mon c'est. Par l'autre bagage, c'est un spécialiste pour dans quel niveau d'affectation. Okay. Parce que l'on a 8 ans, on va vivre en bagage. Le mental, on va ranger l'esprit. C'est bon bagage qui joue. C'est bon bagage qui joue. Dans le sens que 8 ans, bah, là, à n'importe quel moment, on va aller sur n'importe quel bagage. On bon matou ka moun sa pran pa la li. Ou bien tout son moun tout qui arrive maîtriser le faire équilibre la pour contre lui.
bien qu'il n'est pas trop spécialiste, bah, il a toujours dominé, mais il a changé la tête. Il est propre et ça et auto, il fait auto-évaluation pour tête ou bien il est auto-psychologue, j'aime bien dire ça, qu'il est arrivé, il est tête jamais, mais au moins qu'il n'a pas géré la tête dans ce sens-là, qui continue de triser, et dame, ce qu'on est, mais son monde qui n'est pas. Chaque fois, lui, le monde, ça le crie, mais si pas ouais, ou tellement zami petit qui a bail comme ça, il n'est pas tellement déroulé. Mais si son monde est toujours sur route, il a toujours mal. Non, non, ça veut dire que le monde, faut que tu au moins faut un spécialiste qui t'a chita avec lui, qui fait ça, ou faire psychothérapie avec lui, pour retirer tout genre d'affectation, ça, pour faire continuer à vivre sans petit là-bas. Ou d'où je vais tout pas faire une plus violente, non? Et oui et non. Oui et non. Et mais j'ai des gens qui des fois qui vivent avec et j'ai des traumatismes jusqu'à présent qui partent jamais au psychologue. Nous ça vient plus agressif. Et puis c'est intolérant, c'est ça que tu as parlé tout à l'heure. Puis intolérant. Mais il y a des gens tout viol à la première prise de je vais lui dire à quoi bon pour ma bataille ensemble de bataille. On devient plus passif tout. Ça qui mon pire qui vient plus agressif qui mon qui vient plus passif. Quand c'est pas bail. La vie, non, pour ça c'est vivre la vie. Gros discours qui était alors du jour, enfin discours qui était très important dans le moment, c'était la reconstruction. Oui, c'est vrai, la reconstruction physique, les pays, bâtiments, etc. Mais tout le monde qui mettait l'accent sur la reconstruction de l'homme haïtien. Je dis à 8 années après, est-ce que je veux dire que l'homme haïtien est suffisamment reconstruit pour comprendre que la vie n'est pas finie, qu'on a une responsabilité pour l'assumer, qu'on a une par rapport à l'autre, gagner des droits et des devoirs pour gagner. Est-ce que je veux dire que nous avons une phase très avancée par rapport à la reconstruction de l'homme haïtien, 8 ans après? Bon, 8 ans après, la reconstruction de l'homme haïtien, il fait pour côté. Pour côté. Pour côté. Parce qu'on n'est pas vraiment parlé de ça. Mais pas de grand chambre dont des structures étaient en place pour faire suivi les gens de Baïsa. Mais puisque tout dit la nature ou du vide, il fait pour contenir. Puisqu'il fait pour contenir, il fait le jeune. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme haïtien reconstruit, je veux dire. Il reconstruit peut-être pour contenir. Mais pas des gens qui étaient là, qui sont spécialistes maintenant, qui pour dire mais comment vous doyez, mais comment vous doyez, mais comment pas doyez. Mais il fait. Donc. Et ça fait, à chaque fois, on va pas attendre des choses bizarres. Mais même malgré ça, depuis que tu as tremblé, tout le monde gourit. Oui, mais c'est qu'elle est toujours là. Depuis que tu as tremblé, c'est qu'elle est toujours là. Par exemple, semaine-là, tu as tremblé au CAI. Ok. Parlant d'hier. Hier, tu as tremblé au CAI. Magnitude de 4.3.5. Et au fait, réflexion était couru. Je me sens que l'année passée, peut-être, pas au prince, là, même des pétions ville, ça, tu as tremblé, tout le monde s'est couru. Mais juste, c'est ça la réalité. On a une réflexion, parce que c'est guéri. Non, mais. C'est pas parce que c'est réflexe. C'est pas parce que le théâtre a tremblé, mais même ça va me dire pour moi monter me guérir. Non, c'est pas ça lié. Son réflexe que mets-toi à l'abri. Ou bien attention. C'est ça lié. Mais moun il y aurait des flashbacks tout. Moun ou pour qui pas tellement fait de la bien. L'air c'est quoi ça fait là, théâtre a tremblé. Il dit ouais, même catastrophe qui t'est passé du janvier. C'est lui qui a traversé. Mais puis faut haïtien. Oui. Je me garantis que tu as parlé là au cabaret mon studio. Oui, mais c'est ça le mérite de 12 janvier. C'est ça. Mais qui pas dérangé. Qui dérange chaque lettre à tablé. Ouais. Après ça nous fonctionne. Mais est-ce que ça me joue? Est-ce que le gars ou quand il est guéri vrai? Mais non, c'est parce que mon pas guéri. Mais c'est parce que c'est ça d'où je vais quitter la caille comme héritage. Okay. C'est ça quitter la caille comme héritage. Ça veut dire que. Non, mais il faut que tu fasses mieux comprendre que nous devons vivre. Nous avons vu son tête tremblée. N'importe qui le va à la capacité. C'était ça l'information que tu as véhiculé. Jusqu'à présent, c'est ça lié. Oui, mais. Non, nous ne pas accepter ça. Nous ne pas. Quand on a fait sensibilisation, nous ne pas. Mais ce qui n'empêche pas pour autant, c'était à tremblé tout le monde. Mais est-ce que tu as tremblé tout le monde, mettez à l'abri? C'est bon, mal. Au contraire, quand y a, si tu es dans le cas, mettez aussi dans un espace vide. Par exemple, là, ça veut dire que son comportement lui dit qu'on y a, son attitude. Si nous à l'étage, tu as tremblé, c'est normal pour nous courir, mais tu es dans la cour. Contrairement à l'autre, nous ne pouvons pas te connaître, c'est un espace vide pour nous. Il y a des gens qui ont l'air de tremblé, si tu es dans la rue, tu as avancé, tu as couru, tu as senti dans le cahier.
Oui, mais ça veut dire même dans tout le pays du monde, après, au Japon, toujours bien baissé, ou bien Mexique. Après, depuis le théâtre, tout le monde court tout. Oui, mais moi, dans le sens que si nos zones, ça veut son table, il y a mangé, puis il y a table là. Tu vois, pas mettre en panique, parce que ou bien l'impression que les Japonais habitués à ça. Oui, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est ça. Mais nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas appris à les baisser ça. Parce que 8 années après, nous avons l'impression que nous sommes d'accord avec ça, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous avons un réflexe que nous avons développé par rapport avec le risque sismique du pays. Oui, parce que d'après son histoire, je te dis qu'avant 12 janvier, c'était des. Au Cap, on va voir ça s'est passé. Ça fait donc pile année. C'est-à-dire que les grands-parents, nous ne parlons pas même de débat. Puis le bal a passé tout. 12 janvier a passé. Ou pas d'informations déjà avant ça. Ou pas qu'il y ait peut-être vous plaît. Malgré l'ingénieur petit, c'est qu'on tout le temps parlé de ça, mais on a l'impression que nous pas. Oui, monsieur, ça parlait, ça l'a dit, bon, mais. Oui, on a de lui, mais quand c'est la guetta. La guetta. Et pas parce que tout nous croit, tout nous avons vision sacrée des choses, comme quand tout nous croit, tout le monde, mais bon Dieu. Eh bien, c'est ça, c'est. Et ça, le langage populaire. C'est Thomas, comme moi, je crois. Et puis, ou bien tout, et bien, c'est ça, tu parles de tout. Gon interpellation fait. Et pas, il s'est fait au péché. Bon Dieu, fini nous. Même pour nous, ça me dérange quand on dame qui dit qu'il n'y a pas fait l'église avant la donne. On s'invente de Dieu. Il n'y a pas fait l'église avant. Bon Dieu, il met ça de côté. Oui, ça. Parce que il n'y a pas dit des petites lignes. Mais dans une zone, il y a un jeune garçon qui est toujours sous quartier, il y a un Bruno Mino, un Bayer, un Gabapi Moua, qui va me dire que c'est un petit palais toujours dans le jeune avec tout le bagage. Oui, interprétation. C'est lui-même, bon Dieu, pour quitter le monde, ça. Son jugement lié. C'est-à-dire que par contre, les gars, c'est parce que c'est un espace vide qui fait pas mourir. Mais dame, ça, lui-même, son paquet de travail, il fait pour lui, pour faire réacceptation de questions. Représentation, mon Dieu, Dieu dans la ville. On va parler des affaires de l'église. Après 12 ans et tout, nous sommes ici en international, puis nous, Dieu fait révélation. Puis nous, après 12 ans, nous avons révélation, on va arriver à Haïti, on va aller après 12 janvier, en pile cas comme ça, nous jouons nous ici en international. Non, mais jusqu'à présent, révélation fait partie des cultures. Surtout, révélation négative. Ok. Et négative. Tu as fait partie de la culture. Comment ça arrive avec le 12 janvier à tout? Bon, ça bon, pour ça, c'est après le 12 janvier. Mais avant, il pas le dire. Si c'est 11 jours, 2 jours avant le 12 janvier, il était bal le message là. Pour ça, c'est après le 12 janvier. Parce que l'homme de révélation fait partie de la culture. Nous, a essayé toujours de faire des révélations. Après, tout sur WhatsApp là, tout le monde a fait révélation. Pour qui ça, ou toujours, ouais, que c'est le pire qui va arriver. Ça veut dire que par le combat là, c'est peut-être chargé. Mais bon, là, monde, mais pour ça, on fait une révélation, une compagnie chinoise qui vient là, qui parle de 200 000 personnes de travail, tout le monde parle de la société après le plus fonctionnel. Pour ça, on fait une révélation. Le cas de Vassal, oui. Exact. Mais le problème, c'est que ah, c'est toujours, même la mort, au grand monde qui mourit là, toujours au monde qui parle de la pour te dire qu'elle te font rêve. Mm-hmm. Et puis, le pire, il y a l'aspect manger à tout. Parce que c'est. Il est fort difficile pour nous haïtiens de mourir, c'est pas manger. C'est la culture, non? Oui, le mot pas hamba. Pas hamsep. Pas hamsep. Même malade mental, pas hamsep tout. On dit tout mental. C'est dans la zone, parce qu'il fait du travail là. C'est parce qu'il a l'école, il fait une faculté. Notre plage à l'eau. Son élève qui prend un cahier, qui trouve partie à mémoire. Aspect ça, de quoi nous mettons culturellement dans cette mental, il y a une pile importance pour nous. Il ne faut pas ignorer. C'est avec ou servir pour traiter mon croyance culturelle. Et mon tout cas, 8 ans après, il faut nous quitter ça. 8 ans après, il faut nous avancer. 8 ans après, il faut la vie continuer. 8 ans après, est-ce que nous devons retourner sur un mauvais moment ça qui était quand même dérangé nous comme peuple? Mais pas facile. On a toujours pensé, mais pas ça l'action difficile. Ça prend un paquet de temps. Parce que ça fait partie de nous-mêmes. Dans ce qui est l'organisme, dans le système. On va être dans le système. Et même dans la personnalité. On ne peut pas changer la personnalité. On peut modifier son comportement, on peut modifier l'attitude, le caractère, mais il n'y a pas de changer comme ça. Mais il n'y a arrêté tout, il a crié tout le temps. Non, du tout. Du tout. Mais il y a une conscience qui est capable de ressusciter la caillou, qui dit qu'il faut un changement radical. C'est que tout le monde fait ça la caillou. Et même il y a un fumeur qui était fumé. On a fumé 2 poches de cigarettes par jour. Mais il faut une raison. Tout le monde a son raison. On va aller finir vivre. Il y a un monde comme si tout l'hôpital à la loi, il y a un monde ça cigarette fait là, un cancer poumon, bah, comme ça. Coupez, justement, qui a raison, ça veut dire pour que nous dépassions le 12 janvier à 8 ans après pour que nous continuions à avancer. Ça, le temps de dire, c'est que c'est prise de conscience pour prendre plus.
Je te dis à tout, oui, nous avons construit tête pour nous. Mais, qu'on y a un nouveau bah, plus concret, objectif. Mais ça nous voulait pour tête nous. Parce que ce n'est pas difficile, c'est toujours difficile pour le monde haïtien. Qui ça veut pour tête tout? Le tout, on a gagné là. Fait expérience à vous. Qui est le plus important pour vous dans la vie? Là, on a pris ça. Là, on a dit, bon, bah moi, je ne pas qu'on est, non. Voilà. Elle dit, tout est donc un genre de comportement, ça va vaciller. Ou pas, je me consolé concrètement. Non. Je ne veux pas dire que nous avons une société qui dit, mais ça nous voulait, mais à qui ça a marché. Okay? Là, c'est leur vision, bagaille, objectif, ou prêt pour perdre tout petit intérêt personnel, ou bien tout intérêt qui est à ce côté. C'est-à-dire que c'est l'âme aller directement. C'est ça que je veux dire pour nous. L'hyper important pour nous, je veux dire, faut croire dans nos bagailles. Parce que faut, pour changement, en fait, il faut son croyance pour ceci. Croire dans nos bagailles qu'il a fait. Croire dans ça, c'est même si l'échoué, mais c'est avec le marché. C'est lui moi wake up bon pour nous. Parce que nous-mêmes, nos comportements toujours en dernier. Nous sommes zèle 4. Toujours bail. Tu as mes fiers. Exactement. C'est même bail ça. Qui est poché. Ça va pêcher au vent, c'est tout. Vous pêchez à l'étoile. Parce que nous une pelote. Nous une pelote, exactement. Mm-hmm. Nous une pelote. Mais je vous dis, c'est ça que tu as fait. Finalement, on met tête nous ensemble. Nous parlons. Nous parlons pour un changement social tout bon. Et non, pays d'Haïti. Mais tout par quoi, tout, la construction physique a aidé parce que moun, chaque fois le passé, beaucoup de temps, qui était écrasé du janvier, toujours là, ça fait le revivre. Pour oui. Tout est symbole, bien, signal qui est loué, les bagages qui sont dans le subconscient, qui montent dans la conscience, qui sont dit, ah, c'est vrai, c'est du janvier. Quand ça a depuis la ville de la terre, il n'y a pas jamais ramasser des copies. Tout le bagage, ça a tout sous toi toujours rappelé. C'est mon bail qui a jamais facile à tête. Parce que nous-mêmes, dans le niveau sentimental, l'oubli n'existe pas. Qui sont nous là l'oubli, c'est pas vrai. Ah bon? Non? Je raconte au retour là, c'est génial. M'oublier non. Ah, comment il va? Mais quand il dépasse, il me vient dans la porte là. Non, monter. Ah, c'est génial, les deux. Ça veut dire que c'est tout ce qui n'est pas intéressé avec eux, c'est descendre dans le subconscient. Pour que ça leur ait été, ça, on va monter. On va monter dans la tête. On va monter dans la tête. On va souvenir de monter dans la tête. Ou leur force oublie un bagage des fois, c'est là ça le plus présent de tout. Mais pas moi, je vais faire mon enfant blackout. Je ne sais pas si ça me retire, que je ne pas toujours attaché à elle. Non, et pas blackout, c'est que les cas sont toujours venus, mais elle ne fait pas même effet. Okay. On ne dit pas faire même impact là encore. Qu'on a minimisé la tête. Là. Ok? Si l'autre a tel début, tel point, c'est mon tête dans la tête. Moi, je suis choc, je suis panique, parce que je me sens contrarié. Je me sens goûté avec mon nom, je vais la monter sur la tête. Ça ne veut rien dire. Ok, moi, c'est bien. C'est ça est là au guéri des bagages là au faire deuil des bagages là pour accepter les bagages. C'est là peut-être où tu as souhaité arriver et c'est ça qui te victime pour que au guéri finalement de ça que tu es arrivé à faire deuil et on est d'accord que on doit continuer à vivre. Non, pile qui fait ce qui fait deuil là, non, pile qui fait deuil là, pile qui est tout mais fonctionnel même voilà. Mais que je n'ai jamais mon assa pour ça encore, mais il fonctionnel normalement, mais malheureusement il n'est pas arrivé à faire jusqu'à présent qu'on est à aller à l'attente, il y a peut-être un nombre de bagailles. Mais d'un coup, la date d'arrivée là, 12 janvier 2018, qui est bon réflexe au monde qui était victime d'aller gagner. Pour qu'elle ne pas toujours être attaché à ça qui est passé là. Sans quoi d'aller faire. Bon, c'est pour un événement, faire forme de ça, il y a un bilan. 8 ans après, ça qui est arrivé là, et que, comment m'y venir vous dire. Bilan, ça veut dire qu'il y a un ensemble en forme de méditation. Mm-hmm. 8 ans après, je continue à exister, je continue à vivre. Et je vis toujours. Elle dit, ça qui est derrière, je ne peux pas quitter totalement. Je vais toujours songer ce qui est passé. Mais je continue à vivre. Est-ce que la stratégie n'est pas tant qu'il utilise, on va passer de l'eau, il ne va pas parler de lui. S'il néglige le net, va chaque fois parler de ça, le coup. Pour les gens comme ça. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Non, pas vraiment. Parce que ça, on est dans une situation où on fait refoulement. C'est le foulant pour le foulant. Parce que le fait qu'on ne parle pas les bagailles là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais si on ne parle pas les bagailles là, c'est pour protéger la tête. C'est pour protéger la tête. Parce que parler, depuis souvent, c'est une question de. Il n'est pas arrivé un paquet. C'est quel là qu'il y a. Un paquet. Son plein. Plein à ça, dit le propre plein du doigt. Un paquet de bagailles arrivé là qu'il y a. Et plutôt, il fait évitement. Il foulait, il ne parle pas les bagailles. Mais qui n'est pas bon tout. Parce qu'on ne peut pas faire vous, on peut éviter une situation. Le tout du refoulement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que le refoulement a une limite. Lorsqu'on a un problème,
faut parler. Mais parler à qui est-ce? Et quand on a un problème, on va parler avec elle. Qui est pire pour vous? Qui fait, qui juge vous? Oh, ou même qui n'a pas ça? À moucher. Ou pas mourir? Je comprends. J'ai dit, bah, l'opinion, ça, il détruit. Mais il faut un spécialiste pour vous parler. Oh, ou même qui n'a pas ça? À moucher. Ou pas mourir? Je comprends. J'ai dit, bah, l'opinion, ça, il détruit. Mais il faut un spécialiste pour vous parler. Mais il y a des natures par exemple verbalisées. Enfin, mais l'idée, parce que après 12 janvier, tu suggères un peu le monde, expliquer le monde ça que tu es beau, voilà. Expliquer comment tu es vivement, expliquer comment tu es senti. C'est mal, quand tu es monde, on est nous-mêmes, c'est écoute active là. Nous sommes le monde, la 40 millions. Parce que la majorité, c'est le même événement, c'est même pas là. Mais obligé là, tant de monde. C'est ça que tu es rapide. Parce que lui-même, il satisfait le monde qui t'a des problèmes. Il va nous pas jouer quand tu es mort. Mais on fait un bilan. C'est toujours le même bagaille. C'est le même bagaille. Je dis petit, moi, je mouris. Ma femme, je mouris. Ma tante, je mouris. C'est le même quantité. Même discours, tout le monde. Mais la satisfaction, c'est que les gens qui t'entendent. Ils comprennent ça, la vie. Nous allons vous faire une émission 8 ans après. Message là, c'est qui ça, le Dakar, je veux dire. Bon, 8 ans après, mais ça, là, qui ça, je veux dire, c'est que c'est un fuck population quoi, non, bagaille, ma cour. Nous anticipons tout autant d'appelants. Si bagay et si parti n'a mossé les une thérapie ou bien un changement, il pas facile. Parce qu'on a toujours c'est ça qui pourrait nous craser au niveau de scepticisme qu'il a quand même, doute qu'il est haïtien qui vient plus développer toujours. Je veux dire oui, on essaye livrer nos bagailles en nos croyances parce que pour un changement fait tout bon vrai, faut qu'on ait raison. On raison pour tout le monde au niveau personnel et ni collectif. Ça veut dire que faut que nous gagnions une croyance dans nos bagailles. Croyez nos bagailles, même nous-mêmes, on a demandé tout pour nous obliger à croire. Mais inconsciemment, on travaille à faire la carrière. C'est ça que je m'en demande dans 8 ans après le 12 janvier, je vous dis, on essaie de voir Haïti dans notre genre. On essaie de voir tête dans notre genre, communauté qui est dans notre genre, dans notre genre. Parce que sinon, on pourrait passer chaque 12 janvier, c'est même bagaille là. On pourrait parler d'événements, on ne peut pas changer. On pourrait 20, 25 ans, même bagaille là. Dit que si nous ne prenons pas, je vous dis, ça me dit non, c'est que si nous ne prenons pas une réflexion radicale à la tête, nous, pour nous dire oui, on essaie de mettre ensemble pour faire un web, tout intérêt mesquin, intérêt personnel, là, quand nous, pour nous, un bagaille, qui est bon pour nous toutes, là, je nous ai fait en 1804, je nous ai fait en 1846. Je nous ai fait le 12 janvier 2010, tout. Oui, je nous ai fait en 12 janvier 2010. Parce qu'après après l'événement, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Tout le monde est d'accord. Pas là avec tout le monde. Pas de gaffe avec la sociale. Non, non, tout le monde est quoi dans tout le monde. Tout le monde est mangé ensemble. N'est-ce pas? Et nous t'avons sauvé ensemble. L'être après, chaque monde qui met une lotte. Mais peut-être 8 ans après, on a l'impression que nous venons plus diviser. 8 ans après, peut-être nous avons l'impression que nous venons plus parler au l'autre là. 8 ans après, nous ne sommes pas trop rené bien l'autre là. Mais 8 ans après, on est tout là pour un aspect ça dans le janvier de guerre. Aspect être ensemble ça. Et synergie, collaboration, nous allons prendre. Chaque bail qui passe dans la rue, nous allons tirer de lui. Mais ça, nous avons perdu, on essaie de prendre. Dans le janvier, parce que nous ne pouvons pas prendre le janvier d'ailleurs. C'est une date qui est passée. Mais on essaie de prendre ça, je vous dis, 8 ans après, pour nous récupérer ça et puis développer chaque jour. Parce que nous avons toujours utilisé un événement qui passe mal dans la vie en opportunité. Oui, c'est ça. Mais ça fait nous pas de mauvais événements. Tout ça qui passe, nous tirons les leçons de lui. Il n'est pas privé encore. Si vous êtes malade mental, vous êtes retardé mental, c'est même meilleur qu'à tout faire. Ou bien vous êtes ignorant. Mais sous pas une nom de ça, l'événement passé prend partie qui positive ça pour nous avancer plus devant, pour nous développer, pour nous faire grandir, pour nous Haïti, nous souhaiter tout bon. 8 ans après, on fait ça pour nous dire qu'on pas chaque année c'est 12 janvier, ça va parler de chaque jour, même genre. C'est ça. Oui, le frère, merci à vous parce que vous êtes disponible pour nous. C'est ton plaisir pour nous de brasser l'idée matin dans la maison. Moi-même, tout son plaisir pour toujours avec nous là et que pour nous tout faire un petit dialogue très important et que nous toujours disponible et disposé pour nous là, pour la prochaine fois, peut-être dans l'autre sujet. Parfait. C'est ton plaisir. Voilà, notre invité ce matin, le psychologue Willow Francillon, pour nous retourner sur l'accompagnement de bail, l'accompagnement capable de continuer bail. 8 ans après, et 12 janvier 2010, séisme dévastateur ça. Merci tout le monde, surtout avec moi direct, parce que tu passes une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci.